Ew, Milhouse, that frozen black cherry's turned your tongue black. My tongue's black, too. Ooh, let me try. Let me have black tongue. This Halloween, the Simpsons are at Burger King. Now in every big kid's meal, you can get a Simpsons spooky light up. They gleam, they're a scream, and you can collect all 15 at Burger King. Where else? Salutations. Alors aujourd'hui, comme prévu, bah, j'ai le set complet des 15 figurines Burger King de Simpsons qui s'allument de 2001. Enfin, qui s'allument en principe. Parce que forcément, c'est des jouets qui ont 17 ans, donc le mystère est entier. Et bah, là, c'est un peu le bordel du coup. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir. Je vais ouvrir ça et puis merde. Bon, je vais quand même vous montrer ce fascicule qui est quand même super sympathique, je trouve. Et des petits jeux à la con dans des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Classique. Ouais, donc faut compter le nombre de bonbons qui lui reste dans la boîte et écrire ici. C'est une chose assez enfantin. Et ouais, un coloriage du coup. Et voilà, voilà. Bon, on va passer aux figurines. On s'en branle du reste. Je suis mieux équipé que la dernière fois, j'ai des ciseaux maintenant. D'ailleurs, qui a des ciseaux comme ça? Hop. Personne. Moi! Moi j'ai des ciseaux comme ça, ok? Ils sont forts chez Bic, hein. Donc au pif, on va ouvrir celui-là en premier. Celle de Marge. C'est celle que je soupçonne qui va pas marcher, je pense, parce que c'est pas un délire comme les autres. Bref. Donc on a Marge. Et le chaudron. On va montrer la petite carte une fois. Donc voilà, c'est tout simple, c'est juste ça. Derrière, il y a un formulaire pour... Ouais, c'était genre un abonnement pour les enfants, conneries. Ah, c'est fou. Donc voilà. Et la figurine, là. Hop. Et je sais pas comment ça s'allume. Donc on va attendre. En tout cas, même si ça marche pas, genre le plastique est super cool. C'est aussi un plastique translucide comme on avait vu sur l'homme invisible, le Frink. Je vais essayer de trouver le mécanisme pour l'allumer après. Bon, déjà celle-là, pas de bol, elle s'allume pas. En principe, elle est censée s'allumer quand on tourne marche. Attends. Hop. Quand on fait comme ça. Mais apparemment ça marche pas. Donc tant pis, on va passer au deuxième. Mais elle est quand même super cool en tout cas. Hop. Je vais enchaîner tout de suite avec celle de Bart parce que c'est celle que je préfère du set. Du coup, j'aimerais bien savoir tout de suite si elle s'allume. Ou si je vais être super super déçu. Hop. Voilà. On la barre comme ça. Mais bon, toujours la petite carte et la pierre tombale. Comment ça se met? D'accord. Donc celle-ci, en principe, elle devrait fonctionner parce qu'il y a encore là, enfin, ce genre de truc-là, tant qu'on garde la languette, bah, je pense que c'est plus ou moins bon. Mais on va essayer quand même, parce qu'on sait jamais. Déjà, le décor est super stylé, t'as la petite tête en plastique comme ça. Un peu phosphorescent, genre là, ça se voit pas trop avec la caméra, mais hop. Le Bart, il se pose comme ça. Hop.
Et donc, je vais retirer la languette. Hop. Oups. Ah non, il y a un bout qui est resté dedans. C'est pas bon ça. Oh là là, la galère. J'ai laissé un petit bout dedans en fait. Commence très mal. Je crois que j'ai cherché une pince à épiler. Non, attends. Hop. Oh là là, bon, on va essayer de faire comme ça. Forcément, ça s'allume pas. Bon, ce qui est mortel avec la magie de la vidéo, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que je viens de passer une heure à essayer de retirer les bouts de papier derrière le bordel, non ? Avec une pince à épiler, avec une aiguille, tout ce qu'il faut. Mais il reste toujours des débris, du coup, bah, c'est la merde. Mais c'est quand même une très belle figurine, et du coup, voilà, Pierre Tombelle, elle disait Bone, to be wild. Et normalement, c'était censé s'allumer un petit peu en rouge, et puis voilà. Mais c'est peut-être pas mort, hein. Faudra que j'essaye plus tard d'envoyer d'enlever les petites merdes, et puis je réessayerai, et puis voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Ça en fait deux. Marge la sorcière et Bart. On va enchaîner avec Homer Frankenstein en espérant avoir plus de chance. Hop. Mais le truc, c'est que peut-être qu'aucune de ces figurines ne s'allumera. Hein. Je préviens tout de suite, mais bon. On n'espère pas. Alors en direct, je vais essayer d'enlever la languette très doucement pour pas faire la même connerie que tout à l'heure. Hop. Oh là là. Ils sont vraiment vieilles les languettes là, ça se voit. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nickel, j'ai enlevé propre. Voilà, tac. Donc le Homer qui est très sympathique. Focus. Avec les petits boulons de hop, Frankenstein. C'est pas focus aujourd'hui. Bon. Bref, alors je le mets sur la base. Hop. Et donc ça dit. Donc là on va déjà savoir si ça s'allume ou pas. Hop. Ça ne s'allume pas du tout. Putain. Ça disait fresh from the grave. Gravy. Mais ça s'allume pas. Donc c'est la merde, purée. Pour l'instant, 3 déceptions, on va dire. Enfin, 2 déceptions, parce que la marge était forcément qu'elle allait pas s'allumer, c'est pas le même système, tout ça. Mais ouais. Donc ça en fait 3. Mais admirez quand même comment elles sont sublimes, quand même, ces figurines. Donc c'est pas très très grave. Et puis au pire, ça. Enfin, je pourrais changer les piles. Donc voilà, c'est vraiment cool pour l'instant. Les 3 enchaînent avec Skinner en. En zombie, je crois, c'est ça, ouais, c'est ça. Hop. Donc on a le Skinner comme ça. Hop. En zombie. Focus. Ouais. Donc voilà. Pareil, la languette. En fait, attends. Je vais avoir peur à chaque fois que je retire une languette parce qu'elles sont vraiment très bizarres. Hop, hop, celle-là c'était propre. Donc hop, la base, elle est comme ça. What? 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 Mais. En fait, l'embout il est comme ça. La pierre tombale elle est comme ça. Ce n'est pas logique. Ça rentre pas en fait. En fait, ça rentre pas du tout. Enfin, what? Quoi, après avoir bien galéré, j'ai réussi à le placer sur la. Sur le socle. Et ça s'allume pas non plus. Ça disait school's out forever. Et normalement, ça s'allume comme ça. Donc, ce sera aussi une pile à changer, je pense. Je sais même pas c'est quel type de pile, mais on verra plus tard. Et hop là, donc ça en fait 4. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo très rapide une fois que j'aurai les piles et genre je ferai que ça tac 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 tac. Bon, ce stade de la vidéo, c'est ça commence à devenir assez évident qu'il n'y en a aucune qui va s'allumer, peut-être. Mais on va quand même enchaîner avec Willy. Le jardinier.
Donc on a jardiné Willy comme ça. On la mord avec son petit balai, puis hop. On va essayer de faire vite. La languette. Oups. Oups. Donc voilà. Hop. Est-ce que ça s'allume? Je dirais que non. Stupéfaction, ça ne s'allume pas. Donc ça disait The Grim Reaper. Non, The Grim Sweeper. Et c'est un jeu de mots évidemment avec Prepare to meet thy broom. Mais elle est quand même très très cool. Il y a une tache sur mon appareil. Ok. Un truc. Bon. Bref. Et voilà, ça fait 5. Et donc à ce stade de la vidéo, s'il y en a une qui s'allume, je pense que je vais bander. Hein. Et au final, celui de Willy, il marche dans le noir, comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai dû en rater plein qui marchaient dans le noir. Donc voilà. On enchaîne avec une des plus cool, si ce n'est la plus cool. Pour moi, ouais, c'est vraiment super top celle-là. Genre celle-là, si elle s'allume pas, je m'en bats les steaks. C'est pas grave. Donc c'est Burns. Avec ça. Et voilà. Donc en fait on a un petit robot que. Enfin c'est une tête d'Homère en fait. Avec le crâne transparent. Ça va pas focus aujourd'hui. Focus. 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 Faux. Ouais. Donc voilà, avec le crâne transparent comme ça. Et donc c'est Burns en. Comment on appelle ça? Un docteur fou, on va dire. Avec un espèce de cône de glace, là. Enfin, de cuillère. Hop. Donc on va essayer de le placer sur le bordel. Déjà retirer la languette, en fait. Hop. Pas de problème, celle-là. Hop. Oh. Mais. Mais. Elle galère, celui-là. Allez, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, mais ça veut pas s'enfoncer dans son putain pied. Hop. Sinon, ça va, vous, tranquille, la famille. Comment ça, je galère? Non, pas du tout. C'est bon, hop. Bah en fait celui-là je pense pas que... Enfin si, c'est censé s'allumer comme tous, mais... c'est aussi un système de... Attendez, quoi? Non, je sais pas. En fait, je sais pas. Peut-être appuyer sur le nez, non? Je sais pas. Je sais pas du tout en fait, celle-là. Peut-être qu'il était censé se tourner comme ça et faire un clic et... Je sais pas. Ouais, ça s'allume pas forcément. Mais super chouette. Donc ça en fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 6 ça? Ouais. Okay. Continue avec Lisa, je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. Je l'avais oublié en fait. Normalement j'aurais dû faire la famille Simpson dans l'ordre forcément. Mais tant pis. C'est pas grave. Hop. Donc c'est Lisa déguisée en fantôme. Avec boule de neige 2. Donc ça c'est très sympa parce que genre, elle sort de... On peut enlever ça bien sûr. Hop. Donc on a Lisa normale comme ça. Attends, est-ce qu'elle tient debout? Sans le socle elle tient pas debout en fait je crois. Donc on a Lisa comme ça. Et on peut aussi refermer son costume tout seul et le placer à côté d'elle genre... Pas mal de choses sympas à faire avec celui-ci. Hop. Hop. Et ouais. Bah en fait on va déjà essayer de savoir si ça s'allume ou pas. Je vous spoil pas, mais la réponse est non, ça s'allumera pas. Et ouais, je sais même pas ce qui est censé s'allumer en fait. Est-ce que c'est les yeux de boule de neige ou c'est... Attends. Essayez de comprendre. Dites-moi par commentaire, quoi, qu'est-ce qui se passe. Bon. Elle est vraiment bien faite cette figurine de Lisa, genre c'est presque mieux que les Playmates, je trouve.
Enfin, je préfère mieux l'expression de visage de cette figurine-là que les playmates qui sont... J'ai pas envie de filmer, mais je l'ai aussi à côté. Bref. Et ouais. Donc Lisa en fantôme avec boule de neige. Et ouais, je pense que ça s'allume pas trop. Je sais même pas ce qui est censé s'allumer. Je verrai plus tard. En fait, si je trouve des trucs plus tard, franchement, bah voilà, je posterai des photos, des trucs, des machins. On est à je sais plus combien, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ok. 7, on n'a pas fait 8. Bref. Hop. Autour d'Abraham, le grand-père. En vampire, du coup. Hop. Focus. Ça veut pas focus, on bat les couilles. Bon. Donc la pierre tombale, c'est un truc de... Ouais. Hop. On retire l'étiquette. Ça a l'air cassé, ça, non? Non. Attends, c'est très flou ce qui se passe, non? Non, c'est bon. Ça, je vais galérer, chant. Oh là là, pourquoi elles sont pas toutes pareilles? Comme ça. Non, il a perdu sa cape. Bon, bah, je le savais pas déjà. Je savais pas qu'on pouvait lui enlever sa cape. C'est déjà un truc sympa. Et. Ouais, hop, on va lui remettre sa cape. Oh là là, bon. Déjà, on sait que ça s'allume pas. Donc, c'est pas très grave. En principe, il a sa cape sur le dos et. Voilà. Il pivote un peu et ça s'allume. Oh! Non, je galère. Donc voilà, ça disait Springfield, maison de retraite, machin, et quand on pivote... Hop là, donc Abraham y pivote, et on voit marqué Blue Drive Today, qui est censé s'allumer, comme le reste. Ah si, ça s'allume en fait un petit peu. Bon, la pile est naze, mais ça s'allume un petit peu, enfin, ça se voit pas très bien la caméra. Bon bah, c'est le premier qui s'allume, c'est cool. Et donc voilà, ça en fait je sais plus combien, on s'en bat les couilles. On enchaîne. On continue avec Krusty. Le clown. Bah c'est un peu comme le grand-père, genre il a une cape qui se retire j'imagine. Hop. Bon c'est Krusty quoi, y'a rien de spécial à... Hop. La petite étiquette. C'est rigolo, il écrit bite. Bite. Donc, tac. Ah, je mets tout dans la caméra ce que je fais, donc... Oh là là, qu'est-ce que je galère. Ah, ça sonne à la porte. Bon, bah, donc, je galère plus tard. Voilà. Donc, Tonight Show is gonna bite. Hop. Ça ne s'allume pas. Et beat, les enfants, ça veut pas dire beat. Enfin, c'est de l'anglais, c'est-à-dire bite. Donc, ça veut dire que le show de ce soir va mordre. Ça va chiquer. Et donc, voilà. Hop. Je précise ici. On va finir vite parce que c'est assez décevant. Enfin, c'est pas très très décevant non plus. Personnellement, moi, je suis pas déçu de sa mère, la pute, quoi. Mais c'est un peu décevant qu'il n'y en ait aucun qui s'allume à part le grand-père légèrement pour l'instant. Mais je vais changer les piles. Hein. Je m'en fous, hein. Je m'en fous d'abord. Maggie, que j'aurais aussi dû faire au début, mais c'est pas grave. Donc on a Maggie en petite chauve-souris toute mignonne là. Je sais pas en quel sens ça se met, j'ai mis une comme ça, peut-être. Hop. Avec
sont trop citrouilles comme ça. La petite languette. Je sais pas dans quel sens. Faudrait que je regarde les fascicules de temps en temps dans ma vie en fait. Je pense. Hop. Et je sais pas. Ok. Ah ok. En fait ça se met comme ça. Et elle est censée pivoter. Ah ça s'allume. Oh, j'y crois pas. Stupéfaction. Ça s'allume les gars. Ça s'allume les gars. Wow. Attendez. Attendez. Oh, c'est super chiant. Attends. Ouh. Ça s'allume. Ça s'allume. Oui. 17 ans les gars. 17 ans, ça s'allume. Franchement, j'ai même plus envie de vous parler. Hein, genre, ma figurine elle s'allume, je vois mieux que vous. Hein. Regardez-moi ça un petit peu si c'est pas joli. Hop. C'est mieux en vrai, hein. Je vous préviens. Hop. Quelle classe. Donc voilà. Okay, on va la mettre ici. Bon, bah, on va quand même continuer, hein. On va essayer de se remettre de nos émotions. Et ouais, on enchaîne avec Flanders. Avec une référence du film Souviens-toi l'été dernier. Donc le pêcheur avec le hop, petit crochet, attends. Hop, tiens debout. Voilà. Et donc hop. Bon, encore une pierre tombale, j'imagine que ces trucs-là ça marche jamais. Mais on va quand même essayer, on sait jamais. Hein. Il y a des miracles, regardez Maggie. Donc la petite clinguette. Oups, elle est chantée là. C'est bon. Hop. Donc, il est écrit I hooked diddly hooked. Et quand on tourne, ça ne s'allume pas, bien sûr. On Halloween. Ça ne s'allume pas. Stupéfaction, stupéfaction, comme je suis stupéfait. Ça a vraiment de la gueule, à la fin je vais la mettre sur mon meuble. On Docteur Hibert. Hop, le petit crâne dans les mains. Très sympathique, avec une expression de chétan sur le visage. Dans ce sens-là, c'est mieux. Oups. Oh, purée de merde. La purée de merde. Très bon. Purée de pommes de terre. Regardez, on va dire que ça marche pas. Ah, j'ai pas enlevé le truc. C'est le message que je préfère sinon sur la pierre tombale. Hein. Franchement, c'est le petit genou qui va bien. The doctor is insane. Et ça s'allume. Ça s'allume, les gars. J'ai juré. Bon, on va quand même mettre le docteur dessus. The doctor is insane. Et ça s'allume. J'ai un peu du mal à prendre tout le truc en complet, mais ça s'allume. Je sais pas si on voit bien. Ça s'allume. Hop. Et voilà. Donc maintenant on a le Milouz radioactif. Donc je rappelle que pour l'instant il y en a deux et demi avec le grand-père qui s'allument sur 15. Bah non, pas sur 15 parce qu'on n'a pas fini. Mais du coup voilà. Alors celui-là c'est rapide. Hop. Donc on retire la petite étiquette. Ça dit up and at home. Et ça ne s'allume pas. Mais elle est chouette quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Plus que deux les gars. Avec potentiellement deux surprises. Donc on va commencer par Apu. Déguisé en citrouille. Pour Halloween, tout simplement. Hop là. Ça, j'aime beaucoup, c'est genre son mini marché avec la machine à squishy.
Et d'accord, ça se met pas comme les autres non plus. Donc c'est comme ça. Hop. Oups, j'espère que j'ai rien cassé. Purée, celui-là, faut forcer sa race. Ok, c'est dedans, c'est dedans. C'est ce que j'ai dit la première fois. Et voilà. Hop. Donc on a un pou comme ça avec le citrouille. Thank you, come again. Quickie Mart. Pumpkin Squishy, le squishy à la citrouille. Et ça marche, je sais pas. Alors, en fait, il pivote le mec. Je sais pas trop, je sais pas trop. J'imagine que c'est la petite machine à squishy qui est censée s'allumer ou je sais pas comment. Je sais pas. J'ai même pas compris le système. Ah, moi j'imagine que ça s'allume pas donc on va. Ah non, mince, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Peut-être que ça s'allume en fait, les gars. J'ai rien dit. Hop. Et non. Je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas en fait. Y'a pas de système de clic, y'a rien de. Je comprends pas. Je sais pas comment c'est censé s'allumer mais voilà. Non. Bref. Et la dernière. C'est Barney. Barney Gumble en Omi. Enfin, en Omi avec du PQ. Du papier toilette. Classique d'Halloween. Et hop, la petite pierre tombale. C'est fixé là ? Ouais. Hop. Faire attention avec celle-là parce qu'apparemment elle est assez fragile parce que regardez en fait l'écart des pieds il est comme ça et l'écart des pieds dans la base il est comme ça. Donc il va falloir essayer de faire un grand écart et comme c'est pas un truc très flexible j'ai vu des personnes qui l'ont déjà cassé celle-là. Mince. Franchement je vais pas essayer de le faire en temps que je filme parce que c'est très dangereux. Donc voilà, ce qui est arrivé, enfin ce qui devait arriver est arrivé. J'ai un peu pété le socle. Mais en fait j'avais vu une vidéo d'un mec qui avait également lavé la figurine et en fait c'est impossible putain, en fait c'était obligé de la casser. Donc bon. Donc peut-être... Ah j'ai pas oublié, enlever le... Au moment la mienne elle tient debout, lui il avait complètement pété le truc, pouvait même plus faire tenir sa figurine debout. Hop. Ah mince. Et merde. Putain. Ah j'ai coincé les... Je suis en colère les gars, je suis en colère. Bon bah t'as dit King Tut... Et quand on tourne, I miss my mommy. Et comme j'ai coincé la languette, comme on vient de le voir à l'instant, bah ça s'allumera pas. Et peut-être que ça se sera allumé autrement. Enfin bref, voilà. Et c'était la dernière. Wouhou ! C'était un petit peu énervant sur la fin. Dommage. Et du coup, je vais quand même vous montrer ça ressemble à quoi, les deux connexions complètes. Les deux sets complets.